Bienvenue à tous, où que vous soyez, j'espère que cette séance vous permettra de trouver un peu de calme et d'apaisement. Je vais vous inviter maintenant à venir vous préparer pour la pratique du Yoga Nidra dans un endroit calme, échauffé, et à venir vous installer sur le dos, allongé peut-être sur le sol, sur un tapis, peut-être aussi sur votre lit. Juste venir trouver une position confortable du corps, avec la tête et peut-être la nuque supportée, posée sur un petit coussin, peut-être un support derrière le creux des genoux, un bolster, un long coussin, une couverture roulée, ça peut vous aider à soulager les lombaires. Vérifiez que votre colonne dorsale, votre colonne vertébrale est confortablement allongée sur le sol. Et vérifiez que vous pouvez vous couvrir avec une couverture des pieds jusqu'à la gorge et peut-être emballer les mains et emballer les pieds comme dans un cocon. Venez vous installer dans la meilleure position qui soit pour vous pour pratiquer ce Yoga Nidra. Prenez peut-être le temps, encore quelques secondes, pour faire les derniers ajustements. Pour rendre la position encore plus confortable, peut-être même pour 5%, bougez encore un tout petit peu pour vous installer pendant un long moment dans cette posture. Et autorisez progressivement le corps à s'installer et à s'étaler sur le sol. Allongé sur le sol, sentez l'air sur votre visage et sur les parties non couvertes du corps. Pouvez-vous sentir cet air qui touche les parties non couvertes du corps? Pouvez-vous sentir la couverture qui est en contact avec votre corps? Pouvez-vous sentir cette couverture qui est en contact avec votre peau? Et prenez maintenant conscience des appuis de votre corps sur le sol. Quelles sont les parties du corps qui sont en contact avec le sol? Peut-être l'arrière des talons, l'arrière des mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les fesses, le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates, le haut du dos, l'arrière du crâne. Et sentez le tapis sous le corps. Sentez toute la longueur de votre corps qui s'étale sur le sol ou sur le tapis. Pouvez-vous sentir l'espace entre le corps et le sol? Pouvez-vous sentir l'espace entre le tapis et le corps? Sentez votre corps tout entier étendu sur le tapis, en sécurité, porté et nourri par ce sol. Prenez conscience maintenant qu'il n'y a nulle part où aller et rien à faire pour personne en cet instant. Sentez que vous n'avez rien à faire d'autre que sentir et ressentir votre corps et vous laisser guider par ma voix en cet instant. Et laissez le corps doucement fondre sur le tapis. Sentez le corps lourd sur le sol pour entrer doucement dans la pratique du Yoga Nidra.
Amenez maintenant votre attention au niveau de votre ventre, du nombril. Et venez observer quelques instants le mouvement naturel de ce ventre au rythme de la respiration. L'air rentre par le nez, le ventre se gonfle. L'air ressort par le nez, le ventre se dégonfle. Inspire, le nombril monte un tout petit peu. Expire, le nombril redescend. Et observez simplement ce ventre qui monte et qui descend au rythme de votre souffle, de votre respiration, sans chercher à modifier, à contrôler, juste observer ce ventre qui bouge avec l'air qui rentre et l'air qui sort. Comme une vague qui arrive et qui repart, doucement. Inspire et expire calmement. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus ce ventre. À chaque expiration, relâchez un peu plus les intestins à l'intérieur du ventre. Chaque expiration, relâchez un peu plus les parties génitales. À chaque expiration, relâchez un peu plus le bassin. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus tout le corps sur le sol. Sentez ce corps lourd, relâché, qui s'enfonce dans le sol. Et maintenant, à l'inspire, je vais vous inviter à prononcer intérieurement le son SO. Inspire, SO. Et à l'expire, à répéter intérieurement le son ham. Inspire, so. Expire, ham. Et au rythme de votre respiration, installez ce mantra. Inspire pour so. Expire, ham. So, ham. So, ham. Et répétez encore quelques fois intérieurement ce mantra. So, ham. Guidé par votre respiration. Ce mantra qui signifie je suis. Je suis le tout. Je suis le divin. So, ham. Simplement. Inspire et expire. Prenez maintenant le temps de formuler votre Sankalpa. Le Sankalpa, c'est une envie, un désir profond, une intention, quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, et qui permettrait d'augmenter votre joie, votre santé et votre bien-être. Une petite phrase toute courte. Une affirmation positive, au présent, avec vos mots, des mots qui vous touchent et qui vous correspondent. Je vous invite à plonger à l'intérieur de vous
pour exprimer silencieusement, à l'intérieur, ce Sankalpa. Et après le choix des mots, je vous invite à répéter votre Sankalpa intérieurement plusieurs fois, telle une graine magique que vous allez planter en vous. Je vais maintenant vous inviter à voyager au travers de votre corps. Je vais vous inviter à amener une sensation de relaxation profonde dans chacune des parties du corps qu'on va visiter. Un peu comme si vous cherchiez à répandre un liquide chaud sur chacune de ces parties au fur et à mesure du voyage. Venez porter votre attention dans le pouce de la main droite, l'index de la main droite, le majeur, l'annulaire et le petit doigt de la main droite. Déplacez votre attention sur le dos de la main droite, la paume de la main droite, le poignet, le coude, l'épaule droite, l'aisselle droite, la droite des côtes, droite du ventre, hanche droite, fesse droite, cuisse droite à l'avant, à l'arrière, genou droit, devant, derrière, tibia, mollet à l'avant, à l'arrière. Cheville droite, talon droit. Haut du pied droit. Plante du pied droit. Gros orteil à droite. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil et cinquième orteil du pied droit. Et sentez toute la partie droite de votre corps s'étaler un peu plus sur le sol. Sentez toute la partie droite de votre corps s'enfoncer dans le sol. Déplacez maintenant votre attention dans votre pouce gauche. Index gauche, majeur gauche, annulaire gauche, petit doigt de la main gauche, dos de la main gauche, paume de la main gauche, poignet, coude, épaule gauche, aisselle, côté gauche des côtes, côté gauche du ventre, hanche gauche, fesse gauche, cuisse gauche à l'avant, à l'arrière, genou gauche à l'avant, à l'arrière, tibia, mollet, devant, derrière, cheville gauche, talon gauche, dos du pied gauche, plante du pied gauche, gros orteil gauche, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et cinquième orteil du pied gauche. Et sentez toute la partie gauche de votre corps s'étaler sur le sol. Sentez toute la partie gauche de votre corps s'enfoncer dans le sol. Et revenez maintenant au centre, là où la droite et la gauche se rejoignent. Côté droit du corps, côté gauche du corps.
côté gauche du corps, côté droit du corps. Et venez relâcher le pubis. À chaque expiration, relâchez un peu plus le bassin dans le sol. Relâchez le ventre, le nombril. Relâchez le bas des côtes à droite, bas des côtes à gauche. Côte à droite, côte à gauche. Poitrine droite, poitrine gauche. Clavicule droite, clavicule gauche. Relâchez la gorge entre les clavicules. Relâchez le menton, la mâchoire inférieure. Sentez la langue dans la bouche fondre et s'étaler à l'arrière de la tête. Relâchez la mâchoire supérieure. Relâchez les pommettes, le bout du nez, le haut du nez. Les yeux lourds dans leurs orbites. Les yeux fondent eux aussi vers l'arrière de la tête. Tempe droite, tempe gauche. Oreille droite, oreille gauche. Et sentez l'espace entre les deux oreilles. Oreille droite, oreille gauche. Oreille gauche, oreille droite. Écoutez le son de votre tête à l'intérieur. Relâchez le sourcil droit, le sourcil gauche, le troisième œil, ce point entre les deux sourcils. Relâchez votre front. Relâchez le haut de la tête. À chaque expiration, relâchez un peu le sommet du crâne. Et sentez toute votre tête s'étaler sur le tapis ou sur le sol. Et sentez maintenant tout votre corps étalé sur le sol. Sentez l'entièreté du corps qui s'enfonce dans le sol comme dans du sable chaud et fin. Sentez ce corps lourd fondre sur le sol. Sentez les os qui sont lourds et qui cherchent à s'étaler un peu plus sur le tapis. Et percevez les fluides qui circulent à l'intérieur du corps. Percevez toutes les cellules de votre corps qui vibrent. Et sentez ce corps léger, comme s'il flottait posé sur un nuage. Sentez ce corps relâché et plein d'énergie. Sentez ce corps léger qui flotte.
et revenez poser votre attention sur le mouvement naturel du souffle, l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et observez comment voyage le souffle à l'intérieur du corps, entre le nombril et la gorge, avec l'air qui voyage du nombril à la gorge à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et l'air qui voyage de la gorge au nombril à l'expiration avec le ventre qui se dégonfle. Inspire, nombril, gorge. Expire, gorge, nombril. Et observez ce mouvement naturel de l'air à l'intérieur du corps sur l'axe nombril-gorge, gorge-nombril encore quelques instants. Je vais maintenant vous inviter à revenir à votre Sankalpa. Vous souvenez-vous de votre Sankalpa, cette affirmation exprimée au début de la pratique? Répétez-vous plusieurs fois ce Sankalpa intérieurement, comme s'il s'était déjà réalisé. Répétez-vous intérieurement ce Sankalpa plusieurs fois, comme s'il s'était déjà matérialisé. Ramenez maintenant votre attention au centre de la poitrine et venez inspirer et expirer calmement au niveau de votre cœur, ce cœur énergétique, cet espace non physique au centre de votre poitrine. Et venez respirer quelquefois dans cet espace sacré, le siège de vos émotions. Inspirez et expirez au niveau du cœur. Et puis progressivement, venez inspirer et expirer avec toutes les autres parties du corps. Venez respirer au travers de tout le corps. Respirez au travers de toutes les cellules de votre corps. Venez respirer au travers de toute la surface de votre corps. Votre corps tout entier est nourri par la respiration. Votre corps tout entier vibre de toutes ses cellules. Pour terminer cette pratique de Yoga Nidra, je vais vous inviter à revenir à votre corps qui respire. À ce corps posé sur le sol qui bouge avec la respiration et à prendre peut-être une plus grande inspiration et une plus grande expiration. Inspirez et expirez, venez à nouveau ramener du mouvement à l'intérieur du corps. Réveillez ce corps comme si c'était la première fois. Inspirez, expirez, peut-être vous étirez. Bougez les extrémités, vous bercez, trouvez le mouvement juste pour vous, pour revenir ici, maintenant,
au son à l'extérieur de vous, au son de ma voix. Et tout doucement, réveillez ce corps, délicatement et tranquillement, à votre rythme, avec vos mouvements, ceux qui sont justes pour vous. Venez bouger ce corps à nouveau. Et je vais vous inviter à ramener vos genoux à la poitrine. Et quand vous serez prêt à basculer de votre côté préféré en position fœtale encore quelques instants, peut-être la tête posée sur les mains. Dans cette posture de sécurité, cette posture primordiale, la première avant d'arriver sur Terre. Dans cette posture qui symbolise la renaissance pour repartir dans le reste de votre journée ou de votre soirée. Encore quelques instants de répit. Et puis quand vous serez prêt délicatement, vous allez pouvoir vous repousser du sol avec les mains et venir vous rasseoir quelques instants en posture assise, les genoux croisés devant ou peut-être assis, les fesses sur les talons. Trouvez la juste position pour revenir dans votre verticalité. Avec ce corps qui fait le lien entre le sol et le ciel. Et puis, croisez les mains devant le pubis. Inspirez, montez les bras vers le ciel et étirez la colonne vertébrale. On étire cette colonne et on vient mettre de l'air dans la colonne vertébrale. Et à l'expire, amenez vos bras à l'horizontale, comme si vos mains cherchaient à repousser des murs de part et d'autre, à droite et à gauche, comme dans un grand cercle. Prochaine inspire, vous ramenez les bras vers le ciel, les paumes l'une contre l'autre. Et à l'expire, ramenez vers le bas les mains, au centre de la poitrine, les pouces en contact avec le cœur. Et prenez juste quelques instants pour sentir ce cœur qui bat. Observez les battements du cœur à l'intérieur de la poitrine. Et peut-être penchez la tête vers le cœur avec beaucoup d'amour et de respect. J'honore mon cœur, mon guide intérieur. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. À bientôt.